Un amphithéâtre plein. Des étudiants de l'Université internationale de Grand Bassam attentifs au conseil de l'ambassadeur des États-Unis en Côte d'Ivoire, Terence McCullen. Les échanges sont suivis d'une cérémonie de récompense des meilleurs étudiants. Le contexte, une visite pour réaffirmer l'attachement des États-Unis au modèle académique prôné par cet établissement qui accueille des étudiants et enseignants de tout horizon. Ici, tu as une expérience un peu internationale. Tu as l'opportunité de côtoyer plusieurs étudiants qui viennent de divers horizons, comme le Nigeria, Libéria, ainsi de suite, et même des gens aussi de l'Amérique. On a aussi des professeurs qui viennent un peu partout. C'est une initiative de l'État de Côte d'Ivoire, avec un conseil d'administration dans lequel les représentants de l'État de Côte d'Ivoire se trouvent, avec des partenaires du secteur privé et les partenaires américains. L'État, pas impliqué dans la gestion quotidienne, une démarche cautionnée par les États-Unis qui entendent soutenir les efforts de la Côte d'Ivoire en matière de perfectionnement du système éducatif. Selon les diplomates américains, quelques efforts existent en la matière. Nous finançons des boursiers qui viennent ici pour enseigner au sein des universités ivoiriennes. Nous donnons des bourses aux Ivoiriens à travers nos programmes Fulbright, Humphrey et d'autres programmes pour envoyer des Ivoiriens à étudier aux États-Unis. Un appui pour un enseignement de qualité dans nos universités. Les États-Unis disent être attentifs aux préoccupations de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur.